Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le moral quand on est expatrié ou quand on vit dans un nouveau pays, dans un pays complètement différent de celui d'où on vient. Donc j'ai pensé faire cette vidéo car je pense qu'il est important de connaître ces 5 phases, enfin plutôt 4 phases que l'on traverse lorsque l'on change de pays, lorsque l'on déménage, lorsqu'on visite un pays pour un très long moment. Je pensais que ça pouvait être intéressant parce que je n'ai pas vu énormément de vidéos à ce sujet. Donc je pensais voilà, vous donner quelques petites clés, quelques petites informations sur moi, comment par exemple moi j'ai vécu le fait de changer de pays, d'aller vivre en Angleterre, voilà, comment je me suis adaptée et quelle phase j'ai traversée. Donc j'espère que cette vidéo sera le plus complète possible. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions ou si jamais vous voulez simplement me laisser en commentaire votre propre expérience avec toutes ces phases dans un nouveau pays, ces phases de morale je parle bien sûr. N'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire et je serai très heureuse de vous lire ou de vous répondre. Voilà, donc nous commençons tout de suite. Donc, lorsque l'on arrive dans un nouveau pays, la première phase avec laquelle on fait face, c'est la phase de l'émerveillement. Donc lorsque l'on arrive dans un nouveau pays, tout est magnifique, voilà, vous trouvez la ville belle, la nourriture est bien, enfin voilà, vu que tout est nouveau, et ben tout vous paraît bien et beau, tout vous paraît, on va dire, comme dans un petit rêve éveillé. Donc voilà, on en profite vraiment. Moi je sais que je l'ai eu les 2 premiers mois de mon arrivée, je trouvais, voilà, l'Angleterre magnifique, même quand il pleuvait, j'adorais, enfin j'étais un peu gaga au début. Donc c'est vrai que voilà, on se dit « Oh mais c'est trop bien, je vais jamais rentrer ». Voilà, donc pendant ce deuxième mois, on se sent, on va dire, émerveillé et vraiment, on profite vraiment de chaque instant. Ensuite, phase numéro 2. Donc la phase numéro 2 est une toute autre phase qui est la phase du mal du pays. Donc la phase du mal du pays, c'est la phase la plus compliquée à gérer de toutes les phases que l'on va rencontrer car elle se passe environ 2 ou 3 mois après notre arrivée et en fait cette phase c'est lorsque notre pays d'origine nous manque, lorsque notre famille nous manque, lorsque nos amis nous manquent parce qu'en fait on vient de rentrer dans une sorte de routine après 2 ou 3 mois, on commence à être dans une sorte de routine et les choses sont un petit peu moins excitantes qu'à l'arrivée bien évidemment, vous commencez à connaître les choses, plus grand chose n'est vraiment nouveau et puis ça fait aussi un certain temps que vous n'avez pas vu vos proches, donc des fois bah voilà, cette phase elle est très compliquée à gérer car on a envie de voir nos amis, on a envie de voir nos familles, on a envie de parler à quelqu'un, en particulier si on ne parle pas la même langue dans le pays où on est. Par exemple moi je prends l'exemple que j'avais, c'est que moi je ne parlais pas du tout l'anglais ou très peu et j'ai passé cette phase très difficilement car je n'avais personne à qui parler, du moins dans la famille d'accueil où j'étais lorsque j'étais fille au père. Après heureusement j'avais mes amies donc françaises qui étaient donc que j'avais rencontrées lorsque j'étais en Angleterre et donc j'ai pu bien sûr parler avec elles et ça me faisait du bien de parler en français, ça me faisait du bien de partager tout ça, donc c'est très important d'avoir quelques personnes avec qui parler, quelques personnes de votre pays même si vous le voulez. Je sais que moi j'étais très heureuse d'avoir ça parce que ça m'avait énormément aidée, juste de parler français ça me faisait du bien, juste de me donner mes sentiments ça faisait du bien. Donc cette phase de mal du pays, soit ça passe, soit ça casse. Moi c'est ce que je dis comme ça, c'est en fait, soit vous n'arrivez pas à faire face et vous rentrez chez vous. Je veux dire, après il n'y a aucune honte à ça, hein. Après personne ne réagit, tout le monde réagit différemment face à ça. Ou soit vous restez et là par contre vous allez faire face à d'autres phases. Donc la phase numéro 3, qui est la phase de l'adaptation. Donc l'adaptation, on va dire, c'est la phase que l'on rencontre la plus grande majorité du séjour. C'est-à-dire en fait que ben en fait on s'adapte, donc ça y est, on est rentré dans une routine, on s'est fait, on va dire, une sorte de raison sur le fait que voilà, on n'a pas vu sa famille pendant un certain temps, on n'a pas vu ses proches depuis un certain moment. Ça dure, on va dire, vraiment une grosse partie du séjour parce qu'en fait voilà, on continue notre vie. Bien sûr on a toujours on essaie de découvrir de nouvelles choses, juste par exemple en allant visiter une nouvelle ville à côté de chez soi, on essaie de garder voilà une petite sorte de petit pétiment, voilà, dans, c'est sympa. C'est vrai que cette phase d'adaptation est assez simple, voilà, là c'est, on va dire, assez monotone, donc on va dire on est là mais en même temps on se dit ah, on va bientôt rentrer donc c'est bon, enfin bon, c'est assez bizarre comme phase. Après la quatrième phase, donc qui serait à peu près je pense soit la dernière ou l'avant-dernière, ça dépend de comment vous finissez tout ça, mais c'est la phase de l'attachement. Donc la phase de l'attachement,
Moi, je sais que je l'ai eu, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, parce que j'habite toujours en Angleterre. Et donc, cette phase, c'est en fait, on s'attache vraiment, parce qu'on commence à se faire des amis dans le pays, on commence à vraiment connaître la ville où nous vivons. Voilà, on s'attache à tout ce genre de choses, et en fait, ça fait partie maintenant de votre vie, ça fait partie de notre vie. Et c'est ça, en fait, c'est vous, quoi. Je veux dire, vous habitez là, et puis c'est chez vous. Moi, c'est ce que je ressens, moi, maintenant, c'est ce que je ressens, c'est l'attachement à l'Angleterre. C'est vrai que, par exemple, quand je rentre en France, maintenant, je vais le dire, mais oui, c'est vrai, que lorsque, par exemple, je suis en France, eh ben, je vais critiquer tous les Français. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais quand je suis, enfin je sais pas, les Français m'énervent, je sais c'est horrible de dire ça, mais bon, je suis française moi-même, donc je m'énerve moi-même, vous allez dire, mais oui sûrement, mais par exemple quand je suis à l'aéroport et que je vois que, voilà, que les Anglais, lorsqu'on attend l'avion pour avant de rentrer dans la gate, donc la porte d'embarquement, les Anglais ils sont tous en rang d'oignons, voilà, ils bougent pas et tout, ils sont tranquilles, alors que les Français ils essaient tous de passer devant les uns et les autres. Je me souviens de ça en particulier parce que j'avais vu ça à Noël et en fait j'avais regardé des gens puis je me disais oh mon Dieu mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Enfin voilà je... Bref, c'était ma phase d'attachement, je suis vraiment en plein dedans. Donc voilà, c'est assez rigolo comme phase parce que bon, on se sent chez soi en France, on se sent chez soi en Angleterre, donc c'est bien, on a deux maisons. Donc après, la dernière phase est la phase numéro 5, donc c'est la phase nostalgie. Donc celle-là, je la mets vraiment entre parenthèses parce qu'en fait cette phase, il faut être rentré en France ou chez soi pour pouvoir la ressentir. Donc moi je ne l'ai pas ressentie parce que je vis toujours en Angleterre, mais je sais que beaucoup de personnes, enfin je l'ai vécu ici, parce que je suis partie au Botswana récemment et puis je suis restée 3 mois. Donc c'est vrai que quand je suis revenue, ben voilà, j'ai eu cette phase nostalgique qui d'ailleurs je l'ai toujours, ça fait 6 mois que je suis revenue et ça fait 6 mois que je suis nostalgique à propos de, voilà, de ce voyage, mais je vous en parlerai avec plus de détails dans une autre vidéo. Mais voilà, donc quand je suis rentrée donc, du Botswana, eh ben, j'ai eu cette phase nostalgique où par exemple tout autour de moi, en Angleterre donc, ou en France, tout autour de moi n'est que... tout autour de moi est stupide, tout autour de moi est juste sans intérêt. Voilà, je me disais, voilà, des gens arrivent à vivre par exemple avec, arrivent à se laver avec un seau d'eau, alors que nous, bon, on prend des litres et des litres d'eau juste pour une seule douche. Enfin, c'est plein de ce genre de choses. Après, voilà, on pense aussi, oh mon Dieu, bah, par exemple, mon petit frère d'accueil avec qui je vivais, qui avait 3 ans, ben bah, voilà, quand je pense à lui, bah, ça me fait de la peine. La peine, oui et non, je suis nostalgique par rapport à ça. Donc c'est vraiment une phase assez difficile. Et là aussi, c'est un peu comme la phase du mal du pays. C'est bien d'être entouré et c'est bien de pouvoir en parler. Parce que voilà, des gens ne comprendront peut-être pas autour de vous ce que vous avez vécu, ne comprendront sûrement pas vos émotions, car la personne à qui vous parlez peut-être ne ressent pas ça, donc c'est normal. Mais c'est important de pouvoir extérioriser tout ça, car voilà, tout simplement, c'est important, car sinon après vous allez être mal. Et voilà, donc c'est ce que moi je fais. C'est bon, cette phase je l'ai à peu près quittée, parce que ça fait maintenant 6 mois que je suis rentrée, donc ça va mieux. Mais c'est vrai qu'au début c'était très difficile et puis je pleurais très souvent parce que voilà, le Botswana, donc qui est en Afrique, c'est très très loin, c'est à plus de des milliers de kilomètres et je me disais jamais je vais y retourner. Donc c'est très très triste, mais voilà, on s'y fait. Voilà, donc j'espère que c'est fini pour tout ça, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. J'espère que j'ai été assez complète, bon c'était une petite vidéo comme ça juste pour vous en parler parce qu'on n'en parle pas souvent de ces phases-là et je pense que c'est important de les connaître parce que quand on change de pays, il faut savoir que les choses ne vont pas être aussi faciles que l'on pense. Donc voilà, il faut penser juste, prendre les devants par rapport à ces phases et être sûr, voilà, d'être capable de pouvoir les gérer comme il le faut, donc pouvoir parler à quelqu'un, même si c'est au téléphone, à vos proches dans votre pays, c'est tout à fait bien aussi. Mais voilà, il faut connaître tout ça, il faut savoir que voilà, ça ne se fait pas comme ça. Le moral en prend aussi quelquefois un coup lorsque l'on change totalement d'environnement. Voilà, je ne parle plus, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné le maximum d'informations possibles. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et d'ailleurs je vous en remercie énormément. Car voilà, ça me fait vraiment super plaisir de voir que des personnes s'intéressent justement à ce que je fais, à de quoi je parle. Donc
Voilà, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis en plus de ça, ça me donne encore plus envie de continuer les vidéos. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous en remercie beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de ce que vous me regardez. Et je vous dis à très très bientôt dans une très prochaine vidéo. Ciao !